Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une pratique essentielle, c'est comment insérer ici des lignes juste avant le total patient. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est de sélectionner la ligne juste avant le total. J'appuie sur Shift et il y a un petit symbole qui apparaît. Comme vous le voyez, okay. Le symbole ressemble un petit peu à ceci. Comme ça, vous avez des idéales avec des flèches comme ça. Je répète, je sélectionne et il y a le petit symbole. Donc, lorsque j'appuie sur Shift, le petit symbole apparaît. Je glisse avec la souris en bas et je lâche. Ça va donc ici le total et je fais comme ça donc. La même chose, par exemple, ici, je vais insérer ici des lignes. Je sélectionne la ligne juste avant la dernière ligne. J'appuie sur Shift et je glisse avec autant de lignes que je veux. Je lâche et voilà donc. J'ai juste ma formule et voilà. La même chose lorsque je veux, par exemple, insérer des colonnes à droite. Je sélectionne juste avant la dernière, je clique, j'appuie sur Shift, et voilà le petit symbole, et je glisse vers la droite en tant que colonne que je vais insérer, et je lâche. Et j'appuie, et je réajuste ma formule. Ok? Voilà. À la prochaine.